à tous, moi c'est Julien et aujourd'hui je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et il s'appelle Guy, je le laisserai se présenter juste après. Moi c'est Julien et aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos dans laquelle mon but sera d'aider les personnes qui seront en difficulté et qui sont perdus tout comme moi, parce que moi j'essaie de créer ma vie au fur et à mesure qu'elle se développe. Et j'essaie, moi en tout cas je sais que mon but à moi c'est de créer une entreprise, avoir de l'argent bien sûr, et voilà, mon but c'est surtout d'explorer l'espace. C'est quelque chose que j'ai pas encore dit à mon invité et que maintenant il sait désormais. Mon but c'est pouvoir voyager dans l'espace, et un but qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et aujourd'hui chacun va se présenter et voilà. Donc moi je suis Julien, j'ai 20 ans aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo, et ce sera je pense un message pour le Julien d'après, de comprendre comment il pensait avant, comment son cheminement s'est déroulé. Et si entre-temps je peux aider des personnes qui se posent les mêmes questions ou bien qui sont dans le même cas que moi, ce sera un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, donc je te laisse. Moi je m'appelle Guy. Guy Roger. Et je suis écrivain, j'écris des livres et ce que j'ai appris de la vie, je le partage tous les jours dans mon environnement, les gens que je rencontre. Et je crois que c'est une façon pour moi de dire ensemble qu'on peut s'élever et faire un monde différent autour de nous, chacun d'entre nous. Et c'est essentiel qu'on puisse le faire. Mais il semblerait que c'est quelque chose de difficile dans notre monde, puisque on a la méfiance des uns envers les autres, on ne se parle plus, il y a beaucoup d'individualisme. Et parler de choses comme ça, où il n'y a pas de but en fait, rien à gagner, oui. C'est quelque chose de crucial, que l'on puisse étaler tout sur la table, sans contredire, mais ni avoir ses propres idées, sans aucune conclusion, et laisser tout se dérouler, et voir qu'est-ce qu'il y a, et peut-être à ce moment-là, découvrir quelque chose qu'on ne savait pas. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent pour la première fois, qui ne sont pas au courant qu'il y a peut-être une autre personne en eux et qui ne se sont jamais posé la question que ce qu'on leur a enseigné depuis tout petit jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une illusion? Comment... Moi je ne dirais pas qu'il y a une autre personne en soi. Je dirais qu'on s'est créé une illusion et qu'on a fait émerger quelque chose qu'on croit être soi. Mais il n'y a pas. Il y a juste soi qui est là. Il n'y a pas d'autre chose. Mais sauf que si tu inventes un soi, ça devient une illusion. Tu vois? Et ce qu'on est à ce moment-là, ce qu'on appelle moi, c'est ni plus ni moins une représentation de tout ce dont tu as été formé. En fait, on t'a forgé depuis tout petit et tu t'es forgé avec toutes tes expériences. Et ces expériences ont fait naître un moi qui est la mémoire de tout ce que tu as appris. Mais c'est un personnage, une entité, mais qui n'est pas différent de ce que tu es, puisque tu es ça. Mais sauf que ce personnage, cette identité, n'existe pas. Elle existe dans le passé. Oui. Elle a été, mais elle n'est plus. Et ce que tu t'es identifié, c'est à cette chose qui n'est plus. Donc tu es un paquet de mémoires, quelque part, auquel tu t'identifies. D'accord. Et ça n'existe pas, quelque part. Et j'imagine que pour certaines personnes, c'est dur aussi d'abandonner cette image qu'ils ont toujours eue d'eux-mêmes, de cette contrainte qu'ils se sont... le fait qu'ils se sont catégorisés à
mon soi à mon train-train quotidien, à ma voiture, à mon argent, comme on en avait parlé plein de fois. Et j'imagine que pour eux, c'est difficile de pouvoir de se dire d'abandonner surtout cette image. Et Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est difficile pour nous les humains de d'abandonner ce qu'on a fabriqué? Parce que la chose qu'on a fabriquée, qui est moi, eh ben c'est quelque chose qui te réconforte. Parce que quelque part, ce que tu es pour de bon, pour de vrai, c'est la vie. Et la vie ne peut pas être identifiée à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Il y a juste la vie. Et cette vie, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous. Et alors donc, ce monde dans lequel on vit, où on s'est identifié à ma voiture, ma maison, mes enfants, tout ce que je fais, je m'identifie à ça. C'est pour ça que c'est difficile, parce que on a peur de ne pas exister par rapport à ce que le monde propose. Le monde te propose de réussir. Et donc quand tu réussis, tu deviens monsieur quelqu'un, monsieur important. Et le moi que tu es à ce moment-là prend de l'importance. Et cette importance te mine l'existence. Parce que tout ça, tout le monde entier aujourd'hui vit la vie par rapport à l'importance qu'on a. Et toute l'importance qu'on a, eh ben, on va faire en sorte que l'autre le respecte. On se donne de l'importance et on se met en hauteur sur ceux qui ont moins d'importance, qui arrivent à se faire une image moins importante que la tienne. Donc c'est l'image de soi qui prône et c'est l'image de soi qui fait, si tu veux, la notoriété de ce que tu es. La notoriété, ça veut dire ton image, c'est. Si tu es président de la République, tu vas avoir une belle image. Si tu es femme de ménage, tu vas avoir une image différente de celle du président de la République. Oui. Donc, tu vois, nos relations sont faites de rencontres où on se compare les uns les autres. Et dans la comparaison, eh bien, on fait une division, on crée une division entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi. Celui qui est joli et celui qui n'est pas joli. Donc, on vit notre vie à travers tout un système de pensée qui fait que nous croyons que nous devons avoir cette importance. Nous croyons pour exister. Mais cette existence n'a aucune valeur. Elle n'est pas vraie. Elle n'existe pas. C'est une apparence. Une apparence que tu donnes de toi, c'est-à-dire une image que tu te fais pour pouvoir exister. Mais du coup, pour revenir sur l'importance que tu m'avais dit, que tu viens de dire, on s'attache beaucoup à cette importance de moi, je suis monsieur un tel, je suis madame un tel, j'ai ceci, j'ai cela. Mais est-ce que cette importance, ce serait pas plutôt, on s'attache au sens qu'on a donné à notre vie et qu'on n'aimerait pas s'en détacher? Parce que si on s'en détache, ben notre vie n'a plus aucun sens. Bien sûr, parce que notre société, elle t'a dit, depuis que tu es petit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison et tu seras heureux. Donc, il y a une illusion déjà dès le départ qui te fait croire qu'au bout de tout ça, il y a quelque chose à gagner. Donc, tu ne veux pas exister sans être quelque chose que tu as acquis. Ce que tu as acquis de ce que tu es, ce sont toutes les expériences que tu as eues, les mémoires que tu t'es faites, les croyances que tu as, les croyances, les illusions aussi que tu as, toutes les joies, les peines et tout ça devient ce que je suis. Et tout ça devient, si tu veux, le personnage, le caractère que tu es. Mais ça, ce n'est pas toi. Le caractère, ce n'est pas soi. Non, c'est juste ce que tu as appris de toutes tes expériences et qui t'a forgé à regarder les choses de certaines manières, à agir de certaines manières. Mais en fait, tout ça, ça crée les émotions en toi. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme
à ce que tu as appris dans toute ta vie, eh ben, ce qui se passe, c'est que tu es déçu que les choses ne sont pas comme tu aimes. Oui. Donc tu voudrais que les choses soient comme tu aimes. Donc tu voudrais que l'autre te comprenne pour ce que tu as appris. Mais comme l'autre n'est pas comme toi, il a appris autre chose, il a eu une autre expérience, eh ben, ça crée un clash. Oui. Un clash d'image. Et est-ce que le fait que l'un des deux abandonne l'image qu'elle s'est créée, est-ce que si l'un abandonne l'image qu'il s'est créée, est-ce que automatiquement l'autre abandonnera lui aussi, ou bien se dira qu'il n'y a pas d'ennemi, donc par conclusion abandonnera son image, ou justement il gardera son image pour se sentir toujours bien, oui, pour aussi flatter son image. Oui, mais comment? Déjà, il faut savoir si cette image, on l'abandonne, qu'est-ce qui se passe déjà? Quelle est la nature de ce que tu es? Et de savoir que, comment tu l'as fait. Et tu vas t'apercevoir que cette image-là, elle est toi. Elle est identifiée à moi. Tu t'es fait une propriété de ça. Tu es l'identifiant, tu es identifié à ça. Tu comprends? Alors, lâcher cette image, ça veut dire que tu n'es plus rien. Oui, mais c'est ça, on a peur pour... Oui. Non. Maintenant, attendre que l'autre en face de toi fasse la même chose, ce serait l'idéal. Mais tu sais très bien que quand tu es dans un groupe, il y a toujours quelqu'un, ils ont tous leurs idées. Ils ont tous leur façon de voir les choses. Ils ont leur image. Tu vois, je pense que c'est pas de l'autre côté de toi qu'il faut aller voir. Je pense que c'est soi qui doit pouvoir, si tu as pas d'image de toi, voir quelles sont tes capacités. À ce moment-là, tu vas rencontrer l'autre tel qu'il est. Puisque tu ne côtoies pas l'image. Je vais surtout rencontrer l'image, son image à lui. Non, si j'abandonne. Si tu abandonnes ton image, oui, ton regard sera clair. Puisque tu ne regardes pas à travers l'image que tu es. Si tu regardes à travers tes idées, ta pensée que tu as, la religion que tu as, tu es le chef d'entreprise et tu regardes les gens depuis cette hauteur, oui, comment tu vas voir l'autre? Eh bien, tu vas voir l'autre selon l'image que tu te donnes de toi. Mais quand tu n'as pas d'image, tu vois la réalité. Tu ne vois pas les choses comme tu aimerais. Il n'y a plus ce que tu aimerais. Donc, tu vois la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un clochard en face de toi ou bien un ouvrier et c'est un être humain. Tu vois l'être humain, tu ne vois plus l'ouvrier. Et à ce moment-là, il ne faut pas penser que l'ouvrier doit changer, oui, doit avoir une image. C'est le fait que toi, tu ne regardes plus les choses avec cette image de comment tu aimerais voir les choses. Donc ce n'est pas la faute de l'autre, c'est notre responsabilité. Bien sûr, c'est ta responsabilité à toi de pouvoir regarder l'autre tel qu'il est, mais pas comme tu aimerais. Comme tu aimerais, c'est l'image que tu as et que tu veux imposer aux autres. Tu dis, moi je suis comme ça, et c'est comme ça que je vois. Mmh. Et l'autre, il doit se mettre à genoux devant toi, et puis se soumettre à toi. Tu comprends? Mais dans notre monde, si tu veux, les relations sont comme ça. Les relations sont, on se soumet les uns les autres. Parce qu'on regarde l'un et l'autre à travers l'image qu'on aimerait voir. Mmh. Tu vois? L'autre, tu l'as rencontré, elle a des idées et elle a toute sa stature, sa beauté. Donc tu fais une image de ça et tu dis, celle-là, j'aimerais bien la rencontrer parce qu'elle me plaît. Oui. Hein? Donc c'est quoi qui te plaît? C'est l'image pas... que l'on projette sur elle. Oui. Hein? Donc c'est quoi qui te plaît? C'est l'image pas... que l'on projette sur elle. Non, c'est l'image, oui, c'est l'image qu'elle reflète et que toi, tu reflètes aussi. Ce que tu as compris d'elle, la mémoire que tu as eue d'elle, tout l'instant que tu as passé avec elle, crée en toi une image.
Donc c'est la symbiose des deux images et ce qui se ressemble, c'est-à-dire ce qu'on aime chez cette personne, c'est en fait juste la ressemblance, enfin ce qui reste. Comment dire ça? Il y a une autre image, il y a une autre perception. Et avec notre image de soi qui arrive, son image de soi qui arrive, et en fait ce qu'on aime, c'est ce qui se ressemble par rapport à notre perception, par rapport à, on aime notre perception de l'autre image de soi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ressemble à ton image, Oui, c'est ça, c'est ça. tu vas l'apprécier. C'est ça. Tu vas dire, elle me ressemble. Oui. Donc je m'assemble. Oui. Hein? Le problème, c'est que elle a d'autres choses. Elle n'a pas que ça. Elle n'a pas que ça. Ça, c'est juste le fragment de mémoire que tu as d'elle Oui. et que tu as apprivoisé en toi et tu dis, c'est ça que je veux. Je veux ça. Mais en fait, tu ne la connais pas, la personne. Entièrement. Bien sûr, Oui. tu la connais pas du tout. Tu Oui. connais seulement Le le fragment temps que que tu as. tu as passé avec elle. C'est une mémoire que tu as adoptée et que tu as concrétisée et que tu as fait une image avec cette mémoire que tu as de la personne. Cette personne, elle n'est pas une mémoire. Elle change tout le temps, tout le temps. Et on n'est pas statique. Donc, pour rencontrer quelqu'un, il faut que tu ne fasses pas d'image de personne que tu ne pour pouvoir rencontrer ce qui existe. Ce qui existe, si tu ne regardes pas ce que tu aimes, ce que tu as pensé, alors tu as un contact direct dans l'espace entre toi et moi, par exemple. Oui. Eh bien, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas Non. d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Donc, il y a un contact direct. Il n'y a pas de perception non plus. Si, il y a une perception qui va au-delà de la différence, au-delà de l'image, Au-delà de la comparaison. au-delà de la comparaison. Et là, il y a un contact. Et comment on peut dupliquer ce contact avec une personne qui n'est pas consciente? Même si on abandonne l'image pour avoir un contact réel, Pourquoi? mais Pourquoi? que elle, cette personne en face, elle, comment dire ça? Même si j'abandonne mon image et que je vais voir la contact, moi j'ai l'intention d'avoir un vrai contact. Mais cette personne, elle le veut pas, je ne pourrais pas. Alors déjà de dire que tu vas avoir un vrai contact avec quelqu'un, il faut que tu te poses la question, qui veut le contact? Qui c'est qui veut ça? L'ego? Bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à vouloir. Il n'y a pas de but dans la vie. Rencontrer. Et si on se donne le but? Si on... Oui, c'est l'ego toujours qui... Ben, Non? le but, c'est quelque chose que tu dois atteindre. Et tout existe maintenant. Oui? Tout est là, maintenant. Si tu te donnes un but, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut atteindre quelque chose. Oui. Mais la vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin, Fin. il n'y a pas de but dans la vie. La vie, c'est maintenant, ça se vit d'instant en instant, sans but. Et tout ce qui apparaît à chaque instant, eh ben, c'est l'émerveillement de ce que tu vis. Et cet émerveillement est dans un instant crucial de l'instant où tout se passe. La vie se passe comme ça, d'instant en instant. Mais si tu prends tout ce que tu as vécu, tu le mets dans une mémoire et tu le réitères ensuite, ce sera une image de ce que c'est la personne que tu as vue, que tu as pris la mémoire, tu as ramassé toute la mémoire que tu as vécue, l'expérience que tu as vécue, c'est une mémoire, et tu vas repartir vers cette mémoire, ce ne sera plus la réalité. Ce sera une mémoire qui n'existe pas dans l'instant présent. Ce qui existe dans l'instant présent, ce sont les faits. Les faits, c'est que c'est une personne, un humain, qui est là et qui a toutes ses couleurs. D'instant en instant, il change. Et c'est ça qu'il faut rencontrer. Donc il faut que tu sois vivant à ce moment-là pour pouvoir voir ce qui est vivant. Mais si tu vois la personne en tant que tout ce que tu as appris d'elle, ce que tu vas voir, c'est quelque chose de mort.
Tu ne regardes plus la personne, tu regardes le passé. Et le passé, c'est mort. C'est plus la personne. Donc tu es figé dans ta tête à retrouver les mêmes choses et tu t'attends à ce qu'elle soit pareille, qu'elle te fasse plaisir. Mais si elle ne fait pas la chose que tu attends d'elle, eh ben, tu vas la laisser parce que ça ne te plaît plus. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Tout le monde s'attache les uns aux autres parce qu'il y a quelque chose de beau. Et puis le lendemain, c'est plus comme ça. Donc tout le monde s'en va parce qu'il y a divorce, parce que tout le monde s'attend à ce que l'autre va te donner le désir de ton cœur. Est-ce que tu penses que c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de couples qui s'engagent toute leur vie? Ou... Ben ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, comme tu disais, il y a beaucoup plus de divorces qu'avant? Et qu'à l'époque, on restait avec une femme toute sa vie? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a plus de divorces aujourd'hui? La raison pour laquelle il y a plus de divorces, c'est que on ne se rencontre pas, c'est tout. On ne s'est jamais rencontré. On s'est aimé pour le profit, pour le profit d'un amour qu'on va consumer. On va consommer cet amour, entre guillemets. Mais l'amour qui est là, c'est quelque chose que tu prends de la personne et que tu attends qu'elle va toujours te donner. Mais il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est... Il n'y a plus quelqu'un qui prend. L'amour, c'est quand tout est... Rien n'est demandé. Rien n'est voulu. Il y a juste un instant sublime où tout le monde vit. Comme si tu voyais un beau coucher de soleil et puis après tu t'en vas. C'est ça la vraie relation. Une relation d'homme à homme, d'humain à humain, c'est comme ça. Il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mon enfant, il n'y a pas ma voisine. Il y a juste un contact et puis tout repart d'émerveillement en émerveillement. Si tu es présent à cet émerveillement. Mais si tu n'es pas présent, alors tu auras des difficultés pour vivre avec la personne parce que la personne, elle change. Parce que tu seras dans l'attente. Parce que tu as l'habitude de voir, d'attendre ce que la personne peut t'offrir, puisqu'elle est ta femme, puisque tu dis c'est ma femme. Bon, tu seras dans l'attente qu'elle réagisse comme une femme qui est à toi. Oui. Tu comprends? Et quand elle ne fait pas ça, eh ben, il y a divorce. Oui. et tout le monde, en fait, n'est pas. Ne vit pas la vie. On vit, en fait, une vie qu'on aimerait avoir. On la subit. Oui, on aimerait, c'est ça, on la subit. On subit la vie qui est là, mais la vie qu'il y a, on ne la vit pas. C'est-à-dire l'existence d'être ensemble, on ne le vit pas. On ne vit que l'image de l'existence qu'on a en face de soi. Et l'image, c'est le passé. Chérie, tu te rappelles comment c'était beau? Et puis on regarde l'album de photos. Ouais. Et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus le souffle de la vie dedans. Et une relation, s'il n'y a pas le souffle de la vie, s'il n'y a pas le souffle de l'amour, je dirais, elle s'estompera. Et tout ce qui se passe sur la planète Terre, c'est que nous sommes rentrés dans les habitudes et les train-train. Et tout devient monotone. Et on cherche tous une petite gaieté à faire valoir. Donc on cherche du plaisir. On cherche le plaisir qu'il y a dans le souvenir qu'on a eu d'elle. Oui. On voudrait qu'elle soit encore dans cet état.